Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a pas mal de vent, je sais pas si vous allez bien m'entendre. En tout cas, on est là, il fait pas hyper beau, mais bon, on n'a pas trop de vent, on n'a pas trop de froid, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test d'un vélo. Donc, vélo qui a été prêté par ORC Sport Outdoor à Vaumurey. C'est un mécanicien et il vend des cadres. Le cadre que je vais vous présenter juste après. Voilà, si vous habitez dans les montagnes Lyonnaises et tout, allez faire un tour. Et donc là on n'est pas encore avec Étienne, mais il va nous rejoindre, il va venir rouler avec nous, on va aller à Pau Lyonnais. Et donc je vais vous montrer le cadre, il est juste devant moi. Voilà le vélo, donc le cadre c'est un Lone. Donc clairement ça a l'air d'être du costaud et ça a l'air d'être pas mal du tout. Je l'ai essayé juste 3 secondes pour monter jusqu'ici là, mais ça a pas l'air mal du tout. Donc voilà, aujourd'hui on va tester ça, je vais vous dire ce que j'en pense, même si je suis pas un pro, donc voilà, mais je vais vous dire ce que j'en pense. Donc c'est parti. Bon les gars, ça va partir, on va commencer à rouler là. Ça va pas être, on a mis des casques. C'est un petit DH2, donc c'est parti. Allez les gars, on va tester le petit Lone, c'est parti. Je vais pas prendre de saut aujourd'hui parce que bon, c'est pas mon vélo, je le connais pas trop, je vais essayer de prendre un saut. Donc on va rouler tranquille. En plus ça glisse. Bon voilà, je vais essayer de prendre. Voilà, premier saut, ça passe, c'est carré. Pas trop offert quand même. Petit pierrier. Là on a un petit saut. Voilà. Hop, petit virage. Là on a un petit saut. Après il y a un gros saut, je vais pas le prendre. C'est pas bon. Bon, première descente, clairement je valide le vélo. Je valide carrément. La montée. Il est énervé en descente. Ça fait coller. Clairement, il a des meilleurs amortisseurs que mon SP, donc ça amortit mieux, mais même ouais. Pourquoi t'as pas fait le sommet ? Énervé hein. Petit saut pour rentrer dans un pierrier, ça glisse pas mal. Ça glisse vraiment bien dans les virages, ça part. Par où c'est là, je vais repasser par là. Hop là, on est bien. Putain, le vélo. Les gars, je conseille carrément. Je conseille carrément ce vélo. Hyper maniable. Il va trop bien pour la descente. Il va beaucoup trop bien. Incroyable. Oh, il est incroyable, je te mens pas. Faut vraiment que tu l'essayes, faut que tu lui demandes de te le prêter un jour, il est trop bien. Du coup, bah c'est reparti hein. Oh, ça glisse ici. Oh, il est énervé ce vélo. Avec l'effet, j'ai un peu peur que ça bouge pas. Donc, on y va pas trop du tout, je connais pas trop le jeu comme je vous l'ai dit. J'ai pas la bonne vitesse. Je
Wow, chaque fois que je sors. Putain, j'aurais pu la prendre cette bague. Elle est présidente. C'est clairement pas là où je vois d'habitude. Mais c'est stylé par contre. Petit freeride. Ouais, on va essayer un petit wheeling avec ce vélo quand même. Hop là, en Y le Lone. On va pas lâcher une main, je le sens pas trop avec ce vélo. J'ai pas l'habitude encore. Petit coaster. Hop là. Juste au frein, juste au frein. Fais gaffe à la voiture quand même. Et hop là, ça remonte, c'est parti. Bon les gars, c'est reparti. Cette fois, on fait la petite DH1. Donc, go. Ça part avec Etienne. J'ai oublié de mettre mon masque. C'est génial. Je vais pas tester ce saut aujourd'hui, c'est pas mon vélo. Oh le freinage. J'ai eu un peu chaud. Là, il faut passer hyper loin. J'ai un peu trop tiré. C'est abusé ce vélo, comment il est maniable. Vraiment, je vous jure, c'est trop bien. Achetez l'aune, c'est trop bien. Puis les suspensions aussi. Elles claquent. Elles sont énervées. J'ai pas trop envie de faire la marche aujourd'hui. C'est pas mon vélo. On va faire celle-là. Merci. Énervé ce freeride, putain. Beaucoup trop bien ces freerides. Freeride. Oh, ça glisse. Oh, j'avais oublié, c'est racine. Il y a un petit saut là, je me rappelle. Énervé tout ça. Ce vélo est énervé. Il est beaucoup trop maniable. Et ça empire. Wow. Wow. J'ai failli partir dans le ravin. Attention. Putain, comment il amortit trop bien. Ça fait coller. Wow. Oh mais ce cadre et ces suspensions. Oh mais, je te jure, ce vélo fait coller. Ah. Je suis passé 15 fois plus vite que d'habitude là-bas dedans. Ouais.
Oh vraiment, ça bougeait pas, le machin il y allait tout seul. Eh ouais. Ah ouais. Prochaine fois. Énervé ce saut. Pour lui. Oh, prends le pas. Oh. Mais t'as vu moi? Oui. Ma roue avant elle est partie, j'ai posé le pied. J'ai cru que j'allais me prendre l'arbre. T'as vu, mais moi, oh, il est trop dangereux. En fait, il y a plus de terre sur le tronc. Ouais. Bon, si vous passez là, les gars, ne prenez surtout pas ce saut. C'est pas du tout une bonne idée. Et ouais, même à 2 à l'heure, genre, passez pas dessus, c'est pas une bonne idée. Bon, les gars, on est en haut de la mini DH, ça va repartir. Ça fait longtemps que je n'ai pas roulé, donc on va aller un peu tranquille. En plus, c'est pas mon vélo. Donc aujourd'hui, c'est petit roulage tranquille. Ça vient sur les herbes, sur ces loups, parce qu'il y en a partout. Je vais casser la tête et tout, c'est chiant. Moi je passe par en bas parce que c'est plus stylé et à chaque fois j'arrive pas à remonter. Du coup voilà. Avec ce vélo clairement c'est une tuerie, mais vraiment. Ce vélo c'est vraiment le feu. C'est fou, genre en descente c'est vraiment trop bien. Bon après les amortos ils sont énervés aussi, genre la suspension et la fourche elle est, c'est énervé. Mais même le cadre en descente ça va vraiment trop bien, genre c'est abusé. Donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses Etienne? Pas mal. En plus c'est carré pour lever aussi. Du coup bah voilà quoi. Du coup ça se trouve prochain cadre, je prends celui-là, on sait pas. Hein. On verra. Oh je vais tenter dedans. Nettoyer un peu. Putain, j'ai pas bien pris le virage. Ça va pas, Théo. Qu'est-ce que tu me fais là? Ah, je les prends pas hyper bien les virages. Hein. C'est rapide. Bon bah les gars, je crois que ça va être fini pour aujourd'hui. Conclusion, le vélo est énervé clairement. Je l'achète demain. Non, clairement pas. J'ai pas d'argent. Mais ouais, par contre, vraiment, il est énervé en descente. Bon, en montée, je peux pas vous dire comme je vous dis parce que il est un peu petit pour moi, mais en descente, il est hyper maniable. Les suspensions, elles sont folles. Vraiment truc de fou. Ouais. Je vous conseille. Voilà, donc merci d'avoir regardé. Passez une bonne soirée. Une bonne journée. À la prochaine. Bon appétit et à la prochaine.